Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons. Ah bah oui, on n'est plus les Roxolans, enfin on est les Roxolans, mais la Horde des Steppes maintenant. Effectivement, j'avais totalement zappé. J'avais même pas fait attention. Ah, pari! Attends, on n'avait pas fait un pari? Je sais pas, est-ce que j'ai passé le tour en mode, est-ce qu'on aura de la bouffe pour le tour prochain? Il n'y avait pas un truc comme ça, les gars? Attends, parce que si lui il peut pas bouger, ça veut dire que j'ai pas passé mon tour. Oh, putain, et je m'en souviens, allez, et c'est dingue, la probabilité que je m'en souvienne, les gars. Proche de zéro. Va-t-on avoir de la nourriture? Ou va-t-on encore en être privé? Parce que lors du dernier épisode, on avait quelques petits soucis de nourriture. 44! J'avais prédit une dizaine! Oh, je suis très loin. 44 de nourriture. Waouh! Waouh! Ça me va. 44 nourriture. Allez hop, c'est parti, mon kiki. On continue notre conquête des Boïens, ce qui nous avait un petit peu embêté. Je sais plus. Ah oui, si, c'était allié à. Bah c'est couillon, on s'était allié à ceux qui étaient là. Je sais plus qui était là. Mais bon, bah ça leur a posé des problèmes, quoi. Ah oui. Comment ça se passe, l'ordre public ici? Pas ouf, hein? Bah si, c'est remonté. Purée, saloperie. Faire des fumoirs, hein. On va augmenter notre thune, notre nourriture. Mais merci. Et là, en vrai de vrai, si je sors comme ça, j'ai la portée ou pas d'arriver? Non. Pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Oh non, j'ai encore perdu une troupe. Bon, moi j'ai la province entière. Il y a Lugien, mais qu'est-ce qu'il fout là? Lugien, c'est une dinguerie. Hein. Ils sont partout. Bon, à part. Quand même gaffe à notre production de nourriture, faut pas déconner les gars. Ah. Ouais, donc là, moins 4. Merde, non, on va devoir faire des temples. On va devoir perdre de la nourriture. Ouais, pas tant que ça. D'accord, c'était pas le temple que je fais en priorité. Le temple agricole, quoi. D'accord, ça me va, ça me va. Et ensuite on partira sur Soloka, etc. Voilà, j'ai des troupes là-bas. Toi, mon amigo, tu vas aller à Tyros. Ouais, il y a encore plein de troupes que je peux recruter. Hein. Peut presque doubler ma puissance militaire. Là. Ça y est, les Lugiens ils se disent, oh merde. D'ailleurs, ils sont alliés ou pas avec les Boyens? Parce que c'est bizarre quand même d'être un peu partout comme ça. Des endroits un peu aléatoires, j'ai envie de dire. J'ai pas de sens. Lugiens. Ah ouais, ils sont alliés avec les. Il va falloir se méfier un peu là. Voilà, on vole de la nourriture, on se met bien. Je peux pas y arriver en un tour, quel dommage. Donc le déplacement pour si peu, impressionnant.
Allez, manger, faisons manger. Est-ce que je ferais pas un petit raid ici? Histoire d'énerver un peu la population, quoi. Mon 10 d'ordre public. J'aime bien. Du monde ici. Tiens, on va les faire descendre un peu. Quoique, on a quoi? On a deux. Ouais, non, on va les faire aller un peu à l'ouest. Pas tout de suite. Laisse-moi prendre le ponto cassé. Il est mal tombé. C'était pas pour ça en plus. C'était pour éviter les. Un, pour me faire de la reconstitution, et de deux, pour éviter les diplomates que j'avais mis ici en embuscade. C'est pas de peau. Hop, eux là. Là-bas. Est-ce que je peux les emmener en un tour ici? Oui. Ils ont reçu de l'aide. Moi aussi, je viens d'aider. Tant qu'à non, tu me diras, c'est pas loin. Hop là. Allez, merci. On quittera la maison. Toi. Tu vas aller, s'il te plaît. Je te chante bien là-bas. Là. Ouais, je vais conquérir tout là. N'importe quoi, je voulais voir les. J'étais perdu dans mes pensées, là je me dis je vais aller voir les bâtiments, je suis allé n'importe où là. Ok, bah j'avais déjà tout fait, impeccable. Là on fait bien baisser l'ordre public, moins 21 par tour, je sais même pas comment il a un ordre public aussi élevé alors qu'il n'a même pas la culture. Ni rien, mais bon, pourquoi pas. Pas encore, il me faudrait encore une petite région, une petite ville, un village. Une ville côtière, là, il me faudrait une petite ville côtière. Côtière. De Olbia. Je vais faire mon recrutement. Toi, tu vas là-bas, s'il te plaît. Pas trop mal.
Et là, s'il veut la paix, je veux bien. Il veut bien. Donc les jettes, les chérisques. Ah ouais, quand même. Oh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter quelques territoires gratuits? Oui, on va aller gratter quelques territoires, allez. Il aura bougé lui. Hein. J'ai hésité maintenant. Non mais faut vraiment, faut décaler, faut démarrer au bout d'un moment quand même, c'est chiant. Allez. Ils sont là aussi, quoi. Je fais ça ou... Oui. Non, je suis pas à la portée. Je pensais la voir. Oh merde. Un petit changement qui ne sert à rien. Les moyens, ils sont au moins là-bas, là-bas, ils sont au moins jusqu'à là-bas. Et dans un sacré territoire, mine de rien. Vite hein, quand même. Prêt pour la bataille. Vache. Population. Je le vois venir lui. Voilà, mieux vaut prévenir que guérir. J'ai fini toutes les technologies civiles. Est-ce que je peux débloquer? Ah ouais, si, ça c'est sympa. Améliorer nos unités quand même. Depuis le temps. Hop, coucou, merci. C'est jusque là-bas. Hein. Alors comme j'ai débloqué une technologie, je vais faire le tour de ces dernières. Des provinces. Ok, je remonte en nourriture là. Déjà, ça fait un peu du bien parce que... Oh la vache. Attends, ça me rapportait... Ça peut encore me rapporter plus mes provinces commerciales. C'est une dinguerie. Oh, elle me rapporte déjà dit 11 000 celle-là. C'est vraiment une dinguerie la Mésopotamie. La Syria sur le commerce sur Jura. Alors déjà 11, plus de 11 000. Je suis pas en Imperium max. Je crois que je suis en Imperium
Presque max. Quand même. Lugien. Dans les petits cons. T'es obligé de la jouer en manuel. Comment ça, attaque Denis? Ok. Hop. On se place. Là, ils vont vouloir arriver là, je pense. Je place mes troupes là et on va voir où est-ce qu'ils vont... voir se débarquer. De nuit, en pleine pluie, moi. Bon. Oh. Ah oui, c'est bon ça. Hop, on va les avancer, mais pas trop. Quoi? Juste histoire qu'ils soient à portée de tir, mais que leur archer ne soit pas à portée de tir. Ah, ils sont nombreux. Ça va être compliqué. Il y a deux unités d'archères. Si j'envoie bien ma cavalerie sur eux, ça devrait être pas mal. T'en accélères là? Eh ben dis non, on dirait pas, hein. Peut-être accélérer là, parce que là... Là, c'est du léger, je vais charger avec... Ils ont l'air de vouloir débarquer. Pas. Oui, non. Si. Eux vont pas débarquer. On s'en chargera plus tard. Dès que je peux, là, je... Bon, c'est sûr. C'est du léger. Même si on a des archers, ça reste de la cavalerie lourde. Ah,
bouger mes unités là pour que ça parle rien, la vache. Je pensais que ce serait plus efficace que ça quand même la charge, mais pas du tout. J'ai l'impression que ça fait plus mal à mes unités que les siennes, mais bon. J'ai des fuyards. Ici, ça fuit. Là, on va leur dire, bon bah à mon avis, ils vont aller chercher eux. Là. Bingo. Là, ma charge a été absolument dégueulasse, donc on va refaire une. Ah, tu m'étonnes, j'ai chargé dans le mauvais sens. Là, ils vont revenir en plus, terrible. Ah, la charge elle est bonne, mais dommage, un peu plus tard. Ça a l'air d'être compliqué, on a l'air chez des saints là, qui font un bon travail. Là, ils vont se retourner dessus. Là, on va essayer de refaire une charge. Et là, le but, ça va être d'utiliser nos projectiles hein, avec eux. Bien. Je sais ce que les archers saints, là, ils meurent avant, là. Okay. Par contre, s'ils les protègent pas, bien sûr qu'ils vont mourir. Non, c'est pas bon, ça. On est 20. Ça, on est combien, là? 15, hein, et... Bah, t'as plus de tes munitions, vous êtes 15, vous avez quelques munitions pour. Pour tuer les lanciers de Wooden. Ça risque d'être compliqué. Une tire de précision. C'est que j'ai manqué de munitions. Même si les tirs sont plutôt corrects. Non! Encore plus manqué de munitions. Oh là là, calmez-vous les gars, calmez-vous. Ça va aller, ça va aller. Bon, c'est pas aller. Bon. Ouais, les Lugiens qui viennent comme ça, là, d'un coup, me prendre un territoire. Bon, bah, c'est. Je sais pas. En plus, j'ai pas eu de déclaration de guerre, c'est ça le pire, quoi. C'est pas grave, hein, je vais aller avoir une troupe pas très loin. Il y en a une qui est là-bas, là. Vagabond. Mais forcément. Oh. Nous prenons cette colonie pour la tribu.
Bon, là, il y a quoi? Ouais, là, il y a du monde. Il me saoule. Tu es dans combien de temps? 2 tours. Ok, je pense pas qu'il ait la vitesse nécessaire pour arriver là en un tour et attaquer. Ici. Ah, c'est défendu. Là, ça devrait défendre tout seul. Ouais, bah, forcément. Hop. L'élugien. Vous voulez tout ce que vous avez en bouffe, hein? Vous m'avez saoulé, bah. Vous allez le payer, hein? Avec tout ça, je devrais même entendre avec les jettes. Hop, ici. Continue à faire baisser l'ordre public. Petit tour des provinces. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi, attends. Et je vais voir pour passer en empire. Je peux pas. Ils sont pas dans le positif. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Appliquer. Voilà. Donc nous avons maintenant l'empire site. Ah oui. Qui dit empire dit un niveau supplémentaire d'Imperium. Niveau supplémentaire d'Imperium. Non, dit un édit supplémentaire, pardon. Oula, je dis des bêtises, je suis fatigué. Là, ils vont rien pouvoir faire, même s'ils débarquent à Soloka. Soloka les arrêtera tranquillement. Ici, on va pas se priver. Pas le choix sur la libération ou pas. Un petit souci avec eux. Je vais les envoyer là. Non. Toi, tu vas là. Cette pestiférée, mais au moins on n'avanceront plus. Je peux pas les relâcher contre des esclaves, je comprends pas. Enfin, je mets même plus le choix. Je sais pas du tout pourquoi, honnêtement.
Il était planqué là, lui, je le voyais pas. Bon, on a mis une sacrée roustoboyance là. Oui, bon, bah ça, on l'a vu, on l'avait prédit. Pas de méchant jusque là, on va faire une embuscade, ça devrait être bon. Là, putain. Et là. Un peu de reconstitution là. Un peu fait tabasser la tronche. Allez, double embuscade, comme ça là il se barre d'un côté ou de l'autre, mais il se fait déboîter. Ou emboîter le pas, enfin au choix, t'as compris. On va aller chercher. Ils vont se barrer, on va aller les rechercher. Oh, terrible. Alors il me semble que je peux améliorer quelques bâtiments. Bon, tu me diras, de toute façon, je l'ai pas autre part, celui-là. Non. Non, tu m'as embêté. Sauf le cas, t'as si vu qu'est-ce qu'il y a là. Ah oui, pardon. Hop, regardez, on peut même améliorer nos unités. Ça coûte pas si cher encore là. Un peu plus cher plus tard. D'ailleurs, on va faire le tour. Hein. On va faire le double tour là. Hop. Je me disais bien que j'en avais loupé. Et pour vos autres. Ah oui. Vous avez mon épée. Je peux encore servir le clan. Hop là. Pas juste chez nous le temps d'améliorer nos équipements là, notre équipement et ça. Il y a quelqu'un qui est passé dans le coin là. Hop, on va prendre une position assez centrale. On va les attendre. On bouge. Ouvrez l'œil. Bande d'enfoirés, là.
Vous avez faim, les gars? Oh, c'est triste. Triste, ça. Putain, tu nous as bien brisé, toi. Ils descendent bien au sud, donc, quand même. Survie. Arsinia. Comme je crois que c'est leur dernière ville, on va les défendre. On sait jamais. C'est la seule possession des Lugiens, ils vont chercher à reprendre une autre. Donc, si c'est pas, si c'est Phanagoria, j'ai au moins un tour. Si c'est Soloka, et un ou deux. Et si c'est Soloka, il y en a à foutre. Ok, ça a l'air d'être bon. Bienvenue, Saruke. Fais gaffe à une lettre, tu aurais été quelqu'un de connu dans le milieu. Enfin, dans le milieu, non, mais de connu. Hop là. Eh ben, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, à la prochaine. C'était Tiob.